Y'a plein de gens, c'est Verxio, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il y a la nouvelle mise à jour, la Reine des Neiges, avec la Reine des Neiges, le bûcheron, donc ça c'est vraiment super. Donc la reine qui s'appelle le sommet des glaces, et on va de suite, vous montrer tout cela. Et je me suis lancé un petit tournoi il y a pas longtemps, il a commencé il y a 25 minutes, j'ai gagné absolument tous mes matchs, j'en ai perdu un seul juste avant, donc j'en ai gagné 6 et j'en ai perdu un seul. Donc là vite je lance afin de d'essayer d'arriver le premier au tournoi, je vais vous expliquer tout ça juste après. Alors on peut tomber, alors vous voyez je tombe contre des niveaux 9 qui sont en arène très très basse. Donc on va dire merci, on va faire hop. On va lancer direct le combo ballon et tout. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce deck, n'hésitez pas directement à aller la voir. Donc il met la TDE. Malheureusement, j'ai pas géré le magicien. J'aurais dû mettre le sorcier. Donc normalement, il va me gérer tout ça. Voilà. Malheureusement, j'ai pas réussi à gérer sa combo. Je vais mettre. Hop. Alors il a géré. Maintenant, on va mettre la boule de feu pour. Voilà. Bon, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Alors il faut vraiment qu'on rush les combats, faut qu'on fasse le plus rapidement la victoire, qu'on n'arrive pas dans le temps imparti, puisque il reste une demi-heure au tournoi. Donc on va essayer de rush et de gagner le plus possible et le plus rapidement possible tous nos combats. Donc là il pose un extracteur, on va directement relancer le combo de l'autre côté. Aussi une petite astuce pour vous, si vous ne savez pas cette astuce, lancez toujours de l'autre côté de... Lancez toujours à l'extrême opposé votre combo d'attaque si l'ennemi vous a envoyé vous a déjà fait perdre des PV sur un des côtés. Alors là on va mettre une boule de feu dès qu'on peut. Non, quoique il a les barbares, on va la garder, on va mettre des gobelins pour amortir tout ça. Alors on a la TDE, malheureusement lui il a son petit sorcier qui va assez nous dérouver. Là on est censé lui péter sa tour, nickel. Alors soit je pense on va faire ça, ouais. On va poser des barbares et on va mettre la TDE qui va se garder derrière le golem afin... Ah, il a très bien joué. Je préfère faire ça. Mince. Bon, c'est pas grave, on a réussi à défendre parfaitement. J'ai préféré mettre la TDE sur le côté afin qu'elle prenne qu'elle ne prenne pas de dégâts, sinon elle aurait servi à rien. Bon, de toute manière il a pris la tour. On n'a rien pu faire, c'est pas grave. Alors si on attend, dès que voilà, il a relancé le golem, on fonce. Il est pas foulé l'élixir puisqu'il a posé full troupe. On va lui péter direct sa tour. Il a posé la TDE par hâte et nous on pose les gobelins. Donc c'est parti avec le sort de gel. On va essayer de péter d'abord son sorcier. Hop, on l'entoure. Et là on met la TDE les gens. Alors s'il prend pas la tour, on est censé gagner, ça serait vraiment énorme. Ce combat qui est assez chaud, on a vraiment très bien géré. Alors je ne comprends pas, je pense en fait c'est pas le niveau qui importe, on peut tomber dans n'importe quelle arène. Et en fait il n'y a que le niveau qui importe. Je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois je tombe dans des arènes très très basses. Il reste 12 secondes, il a aucune chance. On pose ballon et horde de gargouille de l'autre côté. Il va essayer de défendre. Il reste 6 secondes les gens et on va gagner. On pose un petit gel pour juste comme ça. Alors on aurait quand même pété sa tour du roi. Donc bien joué, on le dit, donc c'est parti, 7ème victoire ou 6ème, et on a fait qu'une seule défaite. Donc là on est combien? On est 7ème, faut enchaîner les combats. Le premier enchaîne les combats comme vous voyez, il reste 22 minutes, on a 22 minutes pour le rattraper. Alors un autre niveau 9, donc je pense, alors si je me trompe pas, lui c'était le premier moment, alors voilà, il a un assez bon niveau, on va poser la TDE pour défendre. Il joue avec extracteur et canon, ça va être assez chaud à gérer je pense. S'il pose l'extracteur vers là-bas, là où il y en a souris, ça va être assez chaud à gérer. Sinon, s'il les pose derrière ses tours, on va facilement les gérer. Alors là, on est contre, du coup, comme je vous ai dit, un des premiers. Là, on va juste défendre comme ça, on va... Alors, on va juste défendre comme ça, on va gérer sans se prendre de dégâts normalement. Voilà, maintenant on va poser tout le combo côté gauche parce qu'il a fait un petit peu de dégâts. Bon, même un petit peu, ça peut changer la donne, ça peut faire gagner un combat. La dernière fois, il me restait 45 vies à ma tour du roi. Alors là, ça va être vraiment parfait. S'il panique un petit peu, il va le poser le canon un peu trop loin. Ah non, il a pas de canon apparemment, hein. Je pensais vraiment qu'il en avait un. Bah c'est pas grave, on va lui péter sa tour, donc ça devait pas être le premier que j'ai vu tout à l'heure. On va poser la TDE pour défendre, et voilà les gens, une tour de prix et on défend parfaitement. Vous voyez ce deck qui est vraiment énorme.
Maintenant, on va poser, je pense, l'ordre de Gargouille de l'autre côté. Alors, on va dire merci. Alors, vous voyez, cette interface de tournoi qui est vraiment énorme. Ça fait vraiment, personnellement, beaucoup de temps que j'attends cette interface. J'espérais qu'il y aurait la guerre de clans, un peu comme dans Clash of Clans. Si je pense que pas mal d'entre vous là connaissent ce jeu. Du coup, on va mettre une petite boule de feu pour casser son extracteur. Là, il pose enfin son canon. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi il fait ça. Il aurait dû poser bien avant. Là, on va focus un peu tout ça. Ouais, il donne 2 ou 3 coups. 2, ça va. Là, on casse son canon. Ce qui est sympa aussi dans cette interface, c'est que tout le monde s'inscrit dans l'heure d'avant, voire moins. Du coup, ça permet d'avoir pas mal de personnes qui regardent vos combats en même temps. Donc là, on va jeter le combo ballon gobelin, je pense, hein, parce que normalement, voilà, il est pas censé pouvoir défendre. Il a posé une de ses dernières trucs. Il a posé ses canons. On lance tout ça. On met sort de gel. Alors, il a très bien joué. Donc on va mettre une boule de feu qui va pas marcher, malheureusement. Et on va poser. Alors là, il a très très bien joué. Ça m'étonnerait pas qu'il me prenne ma tour. Moi, j'ai fait une très grosse erreur. Très gros. Ah, quoique non, il prendra pas la tour. Et si on gère bien, les 36 secondes sont censées être pour nous. Alors, du coup, on va poser le sort de gel pour l'empêcher de focus la tour. On va mettre une tour de l'enfer afin de maximum l'empêcher. Ouais, donc c'est bon, là on est censé gagner les jeux. On va mettre une boule de feu pour retarder le cochon. Voilà. Une seconde, c'est bon, on a gagné. Donc on va lui dire bien joué, faut qu'on enchaîne les combats, les gens. On enchaîne. Alors une petite technique que je viens de découvrir à l'instant. Alors là j'ai gagné 37 trophées, c'est pas mal du tout. Je repasse 5ème. Une petite technique, regardez si les premiers sont en combat. Vous voyez, s'il y a ces petits feuilles, c'est qu'ils sont en combat. Et attendez au pire s'ils sont en combat pour vite lancer. Afin de ne pas tomber contre les mains. Du coup, on repart pour un... un combat. Alors on va voir qui on va tomber. Alors attendez, je branche mon ordinateur. Je branche le chargeur. Alors on tombe contre un autre niveau 9. Donc en fait je suis tombé contre des niveaux 8, mais on peut pas tomber contre plus bas le niveau. Je pense que les tournois sont organisés par niveau. Ma connexion là qui a mis du temps à poser le tout. Ouais, donc on est censé gérer, vous voyez, il pose des gobelins, il sait pas quoi faire. Et voilà, en plus c'est ça qui est énorme avec ce deck, en fait, c'est quand on met le gel, on lui casse tout simplement toutes ses troupes. Là, vous voyez, à chaque fois, ça se passe toujours comme ça. C'est les gens qui mettent Horde de Gargouille autour ou à côté de mon ballon, qui le mettent pas derrière, quand je dis derrière, c'est-à-dire vers ma tour, se font toujours focus leur Horde de Gargouille par la petite bombe qu'a lâché mon ballon. Du coup, ce qui est énorme, c'est que tout simplement, le mec, il lui suffit. C'est comme si je lui avais jeté une électrocution, c'est ça qui est vraiment énorme. Du coup, là on jette la boule de feu pour focus ces barbares. Donc mes barbares qui vont se focus par, ils vont peut-être donner. Non, il va poser des gobelins, très bien joué de sa part. On va poser nous aussi des gobelins de l'autre côté. Alors ma coupe qui a lagué. Hop, on va. Alors ça, je pense pas que j'ai bien joué parce que. Si, je pense que ça, je pense que j'ai géré parce que. Alors on va essayer de. Ouais, nickel. Il a pas touché. On va dire bien joué parce qu'il a assez géré. Il m'a mis du fil par d'ordre. Alors il reste 1 minute 38, on s'est toujours pas fait, on a perdu que 150 PV sur notre tour. Et lui il en reste 600, on est censé gérer. Alors on empêche le sorcier comme cela d'attaquer notre... Voilà, on rejette la boule de feu pour focus ses barbares. Avec de la chance, non, il va bien, il va très bien jouer. Alors, attendez, excusez-moi. Il va très bien jouer en posant ses... Bon, je pense qu'on va finir avec la boule de feu, hein, parce qu'il tient sa tour, il a pas envie qu'on la focus. On va mettre des gobelins, on sait jamais, peut-être qu'il va. On va peut-être mettre un gel pour la finir. Non, pas besoin. On va même pas donner un coup. Alors ça, on tente très bien de sa part. Ouais, nickel, il a pas eu le temps de la toucher. Alors surtout, j'ai le réflexe de le faire à cause des cochons. Mais ne prenez surtout pas le réflexe de poser comme moi vite la tour de l'enfer afin de pousser. Parce qu'en fait quand je fais ça, c'est pour pousser le géant royal si jamais il a commencé à focus ma tour. C'est pour l'empêcher justement de trop la focus, de pas remettre des gobelins en espérant qu'il finisse en mettre pas le petit sort de gel. C'est ce que j'allais mettre,
Mais finalement, je me suis tenu là, on va remettre les garus de l'autre côté. En espérant qu'il focus pas ma tour, on met une tour du roi pour défendre, une tour de l'enfer pour défendre au maximum. Il reste 13 secondes, les gens, la boule de feu qui va terminer ce combat, je pense. On va attendre, je pense que le temps a parti. Voilà, c'est bon, on jette la boule de feu, on dit bien joué. On gèle tout ça juste pour le fun. Et voilà les gens, donc là on a encore gagné, donc c'est la 7ème ou 8ème victoire. C'est chaud quand même que c'est beaucoup plus facile, je trouve, de gagner. Alors on enchaîne, on est 5ème. Alors ils sont en combat, eux ils enchaînent aussi. On va vite, bon, on regardera après à la fin du tournoi le nombre de victoires qu'on a fait, parce qu'on n'a qu'une défaite. Et la défaite qu'on a faite, elle nous a fait perdre au moins 50 trophées, même 60, parce qu'on a perdu plus de 30 trophées, on aurait dû en gagner au moins 30 aussi. Donc là c'est parti, l'axe 121 trophées, donc vous voyez, il est vraiment, il a pas un haut niveau, normalement on est censé le gagner lui aussi. Donc c'est parti, on va mettre pareil la combo. Alors malheureusement j'ai pas le gem, le gel en carte cachée. Alors d'accord, ça doit être, enfin, il a des trucs assez haut niveau, ça c'est assez embêtant. Ça va, j'ai réussi à focus un petit peu ça. J'ai réussi à focus sa tour, alors il est un peu énervé. Alors je pense qu'on va laisser notre tour se faire focus. On va poser des barbares derrière. Voilà, on va préparer la boule de feu si jamais il leur pose lui-même. J'aurais dû la poser de l'autre côté afin d'attirer le sorcier de glace vers mes barbares. J'ai très mal joué, mais c'est pas grave. On a focus pendant cette tour. Par contre, malheureusement, il me reste seulement 3 bénéficiaires. Il va pas falloir qu'il me focus. Je prépare l'ordre de gargouille. Voir la TDE. Donc c'est bon, il ne focus pas. Je crois qu'il a dépensé pas mal d'élixir. Il a dépensé pas mal d'élixir. Donc là, on a le sort de gel, la gargouille et le ballon. Donc là, on va geler son. Alors, bah, très bien joué de sa part. On va mettre tout de l'autre côté afin d'attirer toutes ses troupes. Pour qu'ils défendent, il a mis la TDE, très bien joué de sa part, mais on défend nous aussi. On prépare l'ordre de gargouille, donc là normalement on prend sa tour, si on prend pas sa tour c'est vraiment du grand n'importe quoi, voilà. Bien joué on va dire, et on va lancer l'ordre de gargouille, normalement il a plus d'élixir, j'espère vraiment qu'il aura pas, qu'il va pas lancer son bébé dragon de suite là. D'accord, donc ça c'est encore plus nickel, il vient dépenser 5 d'élixir et normalement elle aura même pas le temps de toucher son ballon. Voilà, c'est parfait les gens. Là, on relance des gobelins. Alors, je peux vous dire, laissez des likes s'il vous plaît, parce que franchement, c'est chaud à tenir autant de temps en commentary. Ça fait même. Là, ça fera 40 minutes dans une demi-heure qu'on sera en commentary. C'est assez compliqué, ça. De parler non-stop, ça c'est compliqué. Donc, dites dans les commentaires, etc., si mon commentary vous plaît, si je suis assez fluide. Donc, là, on va mettre un sort de glace. Hop, voilà. Surtout ne le mettez pas de suite, gérez bien votre timing. Il a très bien géré sa boule de feu, c'était vraiment parfait là. Il a bien défendu. Alors mon deck quand même, qui est un combo de défense et d'attaque, je trouve vraiment exceptionnel. Là, on va mettre. Ah, j'ai pas posé la TDE. Alors là, je pense qu'il va vraiment être dégoûté. Il va carrément abandonner le combat. Parce que j'ai pas posé le TDE de tout le combat. Et là, je la pose enfin. Le pauvre. Hop. Là, et là, on focus le bébé dragon qui est un peu focus. Mais barbare. On le focus comme ceci. On va poser. Normalement, on est censé prendre deux tours. Vu tout ce qu'on a, on va poser la TDU. Ah, voilà. Il pose et c'est fini, les gens. On a pris les deux tours. Il a fini. Il a perdu son combat. Donc, là, bon, le combo qui est vraiment exceptionnel. On lui pète tout cela. Et on prend les deux tours, les gens. Il va essayer de focus. Bon, il focus mes barres. Mais c'est pas grave, on a gagné. 9ème victoire pour une défaite. Alors, on va essayer vite d'enchaîner encore. Il nous reste combien de temps? 21 trophées, ça c'est pas bon du tout. Il a 316 trophées le premier. Il est en égal, donc on va vite essayer de lancer. Il est... J'ai tombé contre Sam. Alors je crois que c'est un des premiers, lui. C'est le premier. J'aurais pas dû lancer. Je vous ai dit la technique tout à l'heure, mais j'ai quand même lancé. Alors si on le gagne, ça peut faire un gros revers. Normalement, voilà. Il a le canon, normalement. Donc j'espère qu'il va pas l'avoir dès le début. On va focus tout ça. Alors on va focus tout ça juste à la fin. Voilà, gel. Normalement, je mets deux coups. Si je mets pas minimum de coups, c'est que j'aurai pas de chance. Après, voilà, nickel les gens. Alors là, on vient de focus correctement sa tour. On va mettre des barbares pour l'empêcher de taper. Non, attendez, ma coquille bug, ça c'est embêtant. En fait, ça m'a plutôt aidé, ma coquille a bugué, même énormément. Alors vous voyez, il a pas mal de... Il joue avec quelques légendaires quand même, deux légendaires. Donc on va pas dire qu'il a gémé, parce qu'il y a quand même un mec de mon clan qui a réussi à avoir 3 légendaires, les gens, c'est vrai, il a montré les screens. 3 légendaires sans payer dans des coffres gratuits, coffres en or, coffres en argent. Donc on peut dire qu'il a eu extrêmement de chance. Alors là, j'ai pas envie de dire que c'est gagné d'avance, puisque
Voilà. On va essayer. Non, je pourrais pas poser, mais j'aurais quand même pas mal focus. Alors là, j'ai très mal joué. On va jeter la boule de feu. Voilà, donc là, je vais me faire prendre une tour, malheureusement. Il a très très bien joué. Moi, j'ai très très mal joué, malheureusement. Ça, c'est vraiment le gros problème des decks légendaires. Si vous gérez pas, vous pouvez prendre des revers, mais vraiment, regardez ce que je me prends. Je texte mon PK qui a été patché, le PK. Donc je pense perdre, malheureusement. C'est assez dur à gérer ce genre de personnes. Malheureusement, si je pouvais pas lancer mon combo gargouille ballon, j'étais obligé à chaque fois de gérer comme ça. Hop, on met la gargouille, enfin l'orbe de gargouille. On va essayer. Hop, alors ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors, attends. Allez, ça touche, c'est parfait. On relance avec les gargouilles. Faut absolument qu'on focus sa tour, sinon on va perdre. Et mince, bon, je pense qu'on va. Ah non, on a la boule de feu, mais c'est bon les gens. On va pas gagner, hein. J'assure pas du tout qu'on va gagner. On va sûrement perdre, mais on aura au moins pris une tour. Ça aidera pas mal. On va faire son extracteur avec. Il me reste 800 de vie, ça va être assez compliqué à gérer. Du coup, on va pouvoir focus sa princesse assez facilement. On va poser. Ouais, donc il va gagner normalement. Rien que là, avec. Je pense qu'il a gagné. Malheureusement. À part si je réussis à caler mon combo, là j'ai vraiment tout. Je sais pas, parce qu'il a la boule de feu, donc ça c'est assez rageant. Je pense que si je mets tout de l'autre côté, il va tout me balancer. Voilà, mais comme ceci. D'accord, je touche même pas avec ma boule de feu. Il a gagné, bien joué à toi. On peut l'applaudir parce que franchement il a bien joué. Malheureusement c'était un gamer, ça se voyait, il avait des cartes assez haut niveau. Du coup, je vais redescendre malheureusement. On repasse 6ème et lui qui était premier. Il regagne, alors malheureusement on a presque aucune chance de gagner, hein. C'était assez compliqué. On va quand même essayer de remonter dans le top 3, même si ça va être assez dur. On va mettre le ballon avec l'ordre de gargouille, je pense. Après, s'il a des flèches, ça va être assez sûr. Bon, on va juste mettre un gérin pour garder notre élixir. D'accord, donc ça commence mal, on peut dire. En même temps, j'ai jeté un peu la one again. Donc, il a 4 d'élixir de plus que moi, il a 9 là. Et là, maintenant, il a 10, donc ça ne me tente pas qu'il pose une troupe. Voilà. Il pose le molosse de lave, on a la TBE. Bon, ça va être mal du tout. Je pense qu'on aurait pu largement gagner le combat juste avant. Je pense que c'est juste que j'ai mal géré. Là, je sais pas ce qu'il va faire pour essayer de défendre. Bon, non, on va mettre l'orbe de gargouille, on va pas s'embêter. Il met le sort de gel, du coup, il a l'air de jouer à peu près avec le même deck que moi. Hop. Alors ça, c'est parfait, je trouve. Je pense que ça, c'est pas mal du tout. Il a presque plus d'élixir normalement. Je dois en avoir, je pense, 2 ou 3 plus que lui, ce qui peut largement suffire pour le sort de gel et la gargouille. C'est parti. Voilà. Alors il va poser direct une orbe, même pas, il pose même pas l'orbe de gargouille. Alors normalement il est censé la reposer, ça veut dire qu'il avait vraiment plus d'élixir. Et mince, bon c'est pas grave. On va focus au moins 700 PV minimum sa tour. Ah ben beaucoup plus les gens. On va carrément presque, on fait perdre les 3/4 de vie à sa tour. Ça c'est pas mal du tout. Bon, il a une légendaire, il a le molosse de lave, donc ça va être assez chaud à gérer. Enfin, on a la TDE, donc normalement c'est censé être facile à gérer, mais bon. Il faut toujours être préventif. Donc là, ok. On va préparer la boule de feu, signer les gargouilles. D'accord, il a rien à jouer. On va mettre la TDE, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va focus. Son molosse. Voilà, on va direct mettre l'ordre de gargouille. Il a pas l'air de gérer super bien, mais c'est pas, mais la boule de feu, il pourrait vraiment rien faire, je pense. Normalement il a l'ordre de gargouille, si je me trompe pas, là il va la poser, il attend d'avoir son élixir. Bon, c'est bon, on a focus, c'est nickel. Là normalement, non, ça a pas touché malheureusement, donc on
va poser l'ordre de gargouille. On va focus tout ça avec une grosse boule de feu. Ah, là il a très bien joué, je pense ça va être chaud. On va peut-être poser. Voilà. Là il a essayé de poser le gel, le pauvre, et malheureusement j'ai posé avant lui. Donc il va toucher, c'est pas grave, on s'en fout les gens. On pose une TDE afin de défendre et ce pneu ne pas faire focus. Il pose un molosse de l'avant, c'est pas pourquoi. On va... Ah mais attendez. Alors là j'ai fait vraiment l'abruti, j'ai pas remarqué que j'avais. J'ai totalement oublié que j'avais pas que j'avais pas focus à tour. Je croyais avoir gagné. Bon c'est pas grave. On gère quand même les gens. Enfin, on gère quand même. Là on a pris cher. Ah mais c'est bon, on gère de l'autre côté. Il faut toujours être préventif hein, quand même, parce que là on a pris tellement, on a pris vraiment cher hein, les gens. Là il faut vraiment pas qu'il nous pète à 580 PV, c'est vraiment ballot. Une roquette et une boule de feu c'est fini. Mais normalement là on gagne, voilà. On va dire bien joué. Alors moi par contre j'ai très très mal joué. Enfin à la fin surtout, parce que sinon je pense. Alors on dit merci, on sait pas pourquoi, on dit merci même si ça a rien dit, c'est pas grave. On est censé remonter. Alors malheureusement, le problème de ces tournois, c'est qu'il y a des gemmers quand même. On peut très bien remarquer lui. Alors il a quand même perdu hein, contre SL, sûrement je pense. Hein, alors qu'on l'a géré tout à l'heure SL. Alors on va vite regarder pour les gars. Ok. Il reste 5 minutes les gens pour monter. On a 2500 3 trophées. On tombe contre le troisième. Alors je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est cette arène. Je crois que ça doit être l'arène 1. Ça serait pas. Ouais, je crois que c'est l'arène 1 en fait. Ouais, c'est bien ça, on peut pas tomber contre des mecs. On met la boule de feu pour écarter le sorcier de glace au maximum pour qu'il laisse. Voilà. Il a dépensé 7. Plus 10, il a pensé. Alors il a dépensé ses flèches. Alors ça, ça va être énorme parce qu'il a dépensé ses flèches. Un extracteur, donc il a dépensé 15. Nous, on a dépensé 9, 11. On a 4 de plus que lui. Là, il récupère l'extracteur. On a 3 de plus que lui et il a jeté ses flèches. On prépare le gel si jamais il a une électrocution. Il a une boule de feu, donc ça c'est parfait. Il a fait 4. 1. Ok, on a que 1 de plus que lui. Donc il est censé avoir que 3 là. Voilà. Si on se trompe pas, mince. Alors j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pu lui focus entièrement sa tour et lui casser son sorcier de glace. Enfin, lui focus son sorcier de glace. Il a très très bien joué. On va mettre une TDE afin de défendre au maximum. On va préparer les gobelins. Alors là, là ça va être assez chaud à gérer les gens. Ok, ouais, c'est pas grave. On a, mais c'est parfait. C'est parfait, les gens. On a tout à tirer. Alors, je pense que je vais jeter une boule de feu pour là-bas parce que les extracteurs en masse, c'est pas mon signe. Ok, là on est en train de gérer. Il récupère assez facilement l'élixir, c'est ça le gros problème en fait. On va laisser focus. Hein. On va pas perdre l'élixir bêtement, on va se laisser gagner l'élixir. On va lui, par contre, lui focus tout son élixir. Alors, malheureusement. Enfin, il gère très très bien, donc on va mettre hop, on va lui focus son sorcier glace. D'accord, donc on est censé perdre ce combat à cause d'un géant royal un peu trop cheat je trouve sur ce jeu. On va essayer de lancer le combo avec les 40 secondes, on va se laisser se faire attaquer, c'est pas grave. Ah ok, prendre là ça va pas le faire sinon. Donc je pense qu'on a perdu hein, là. On a largement perdu. On va quand même essayer de focus sur notre tour afin de minimiser les dégâts. Alors le compte, ce serait quand même qu'on arrive à gagner. Ça serait vraiment énorme. Ça m'étonnerait. Alors là, non, pas. Nickel. Voilà, il a pas réussi à taper beaucoup. Non, allez, focus le son. Alors voilà. Alors là les gens, on peut encore gagner, mais il faudrait une chance extraordinaire. Ben, il a très bien joué, il avait la boule de feu à très haut niveau. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Moins 20 plus trophée, donc on sera pas dans le top 3. Malheureusement, alors il reste 2 minutes, on relance, je sais pas si ça arrêtera le combat, en plein combat. On est contre SL, un des premiers. Si on perd, alors là, si on perd, on aura perdu vraiment beaucoup trop. On aura tout perdu si on perd, donc j'espère vraiment pas perdre. Alors on l'a déjà affronté l'USL hein,
on a gagné. Après, il avait l'air de pas avoir une super main de départ. On va attirer son cochon. Non, ça va pas attirer le cochon. On va mettre minimum de coups. Ça, c'est pas mal du tout côté droit. On est censé le gagner parce qu'en fait, il a un deck. En fait, malheureusement pour lui, son deck n'a pas assez de troupes pour défendre le mien. Il a trop de troupes de sol pour remettre. Alors là, j'ai très très mal joué. Il va mettre un coup. Alors là, j'ai vraiment très très mal joué. Alors 1100, 600, 1700. Donc on est à peu près à égalité. J'ai quand même, je suis quand même en petite avance. Il joue très bien, il joue très bien. Ouais, donc là on est carrément en déficit. On est en train de perdre. En fait, là ça va dépendre. Le canon, normalement, si le canon peut se faire péter, ça serait pas mal du tout. Ouais, bon, il pose ses mini-squelettes. Normalement, il va poser. Sinon, il pose rien, du coup, on va mettre. Malheureusement, j'arrive pas à avoir dans ma main la gargouille. Hop. Ok, ils ont au moins. Du coup, il va focus de ce côté, donc on va mettre. On va attirer le cochon. Non, alors là, normalement, on est censé gérer. Je sais pas, enfin, c'est assez chaud. Dès que je peux mettre la boule de feu, je vais la lancer, je pense. Là, c'est assez chaud. On va mettre de ce côté. Alors, très très mal joué de ma part. Ok, on met la boule de feu. En fait, son extracteur, j'aurais dû la lancer avant. Il gagne pas les tirs, donc ça, c'est parfait. Très bien joué de sa part. Alors là, je joue vraiment comme un idiot. Et lui, il joue parfaitement. Il prend sa revanche. C'est très bien joué de sa part. Bon, normalement, il me suffit juste de mettre deux coups dans ma. Il veut vraiment l'avoir, ma tour. Hein. Il veut vraiment l'avoir, donc on va mettre une boule de feu. Bon, allez, on va. Allez, on met tout le combo là, vite, avant qu'il pose le truc et qu'il nous vienne. C'est pas grave, il nous prend une tour, nous aussi on lui prend une tour. D'ailleurs, on va mettre quand même une sorte de glace. On va l'empêcher de focus au maximum notre tour. Il nous reste vraiment très peu de temps là, ça va être. Non. On perd vraiment bêtement, les gens. Mais bêtement. Donc malheureusement, je crois qu'on va finir ce tournoi sur une défaite. On va finir même cette vidéo sur une défaite. Ils ont très très bien joué, ils avaient des très bons decks. Du coup, je me suis retrouvé 6ème. Alors, je sais pas, en attente de la fin des derniers combats, j'espère que lui, il va perdre. Que lui, il va perdre aussi, afin que je reste, que je passe 5ème. Alors là, ça va jouer entre le Drozo, je crois. Sam, il a gagné. Alors, ce serait bien, je trouve, sur Clash Royale, qui est différente. Ouais, donc je suis passé 6ème. Alors, enfin, il y a encore la Drozo, on va bien voir. Il reste 10 secondes. Et c'est la Drozo qui va gagner, donc je ne passerai pas 5ème. Mais je ne pense pas que ça va importer. Je pense pas que ça importera beaucoup. On va bien voir. On va bien voir. Normalement, c'était les derniers. Non, il y en a encore quelques-uns. Donc on va regarder. Il y en a qui n'avaient vraiment pas beaucoup de prêts. Il reste 1 et 2. On va regarder comme ça pour le fun, les gens. Alors. Moi personnellement, je pense qu'il a tout. Alors, il reste 40 secondes. Alors, moi je serais lui, je jetterai directement les. Il faut absolument qu'il jette 30 secondes. Il faut qu'il tente le tout pour le tout. Il faut qu'il lance son fût à gobelin. Sinon, il va perdre. Voilà, donc là il va gagner normalement. Enfin, il va pas gagner, mais il va lui casser sa tour. Il est en. On va essayer de l'inviter dans le clan. D'ailleurs, lui, AZD, il a pas de clan. Là, moi, je serais lui, je poserai toutes mes troupes à gauche. Là, il garde son élixir, ça c'est très mal joué, il faut vraiment dépenser votre élixir le plus tôt possible. Alors là, il a le miroir, franchement, il aurait dû poser une TDE, il serait même pas embêté à défendre. Alors là, l'autre n'a qu'une boule de feu, oh, il a l'esprit aussi, ouais. Moi personnellement je jetterai il se laisse se faire attaquer là, c'est pas bon du tout pour lui, comme ça c'est perdu.
Je pense que ce combat ne se terminera pas. Je pense, voilà. Soit c'est le joueur. Ouais. Il y a des chances que ce soit le joueur rouge qui gagne. Même si je pense. Voilà, lui il joue très très mal. Au lieu d'attaquer sur le côté gauche, il attaque en plein centre en essayant d'avoir sa tour du roi. Voilà. C'est extrêmement mal. Oh. Mais l'autre il a jeté une boule de feu, c'est fini. Alors il a 10 d'élixir, il n'enchaîne pas, il attend que l'autre attaque. C'est très très mal de sa part. En plus il attaque en plein milieu, il faut vraiment attaquer à gauche. Alors excusez-moi pour la sonnerie du téléphone. Contrairement à lui, le niveau 8 qui joue très très bien. Donc on va bien voir qui c'est qui va gagner. C'est vraiment le dernier combat, donc on attend juste pour eux. Oups, il y a eu un petit problème. Ça s'est connecté, mon portable s'est connecté, donc on va remettre. Donc ouais, on va remettre le combat. Excusez-moi. On va regarder le plan avant. Ok, GG. Du coup, il y a un membre de notre clan qui va créer un clan. Donc rejoignez notre clan si vous voulez. On va bientôt créer un clan. Enfin, il va bientôt créer un tournoi, donc ça c'est pas mal du tout. Il va mettre en mode base, donc. Rejoignez notre clan, ce sera le seul moyen de participer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement pour moi, la nouvelle mise à jour est vraiment énorme. Alors il a gagné, malheureusement je pense que AZD méritait beaucoup plus, juste au niveau de jeu. Alors ça, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais mettre sur... Alors dans 4 heures, je débloquerai un coffre arénite. Vous savez quoi, on va dépenser 24 gems juste pour vous montrer en vidéo. Alors esprit de glace, on développe esprit de glace, c'est pas mal, 7 archers et 2 roquets, donc en fait c'est juste c'est vraiment nul ce qu'on a gagné, c'est pas super, enfin franchement je pense pour le temps qu'on vient de passer dessus, c'est vraiment un peu de l'arnaque. Alors on va regarder s'il y a d'autres tournois actifs, mais je pense qu'on va finir la vidéo ici, je vais juste me lancer dans un tournoi normalement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à laisser un commentaire et abonnez-vous. Franchement, laissez les commentaires, c'est le plus important, ça me permet de savoir votre avis sur mon commentaire et sur le gameplay. Donc voilà les gens, allez, ciao ciao tout le monde.